corps pur simple et corps pur composé. Une substance chimique est un mélange d'espèces chimiques. Un corps pur ne contient qu'une seule espèce chimique. On peut rencontrer des corps purs simples ou des corps purs composés. Chaque espèce chimique est caractérisée par sa formule, son état, solide, liquide ou gazeux, et ses propriétés physiques. Par exemple, l'éthanol a pour formule C2H6O, il est liquide à température ambiante. L'or, de formule AU, est un solide à la température ambiante, tandis que le dioxyde d'azote, de formule NO2, est un gaz roux à température ambiante. Un corps pur simple est un corps pur constitué d'un seul type d'atome. Un corps pur simple peut être élémentaire, c'est-à-dire constitué uniquement d'atomes, car les atomes ne forment pas forcément de molécules. Par exemple, le fer de formule Fe, le nickel de formule Ni, le néon de formule Ne et l'argon de formule Ar sont des corps purs simples élémentaires. On peut aussi rencontrer des corps purs simples moléculaires, c'est-à-dire dans lesquels les atomes sont liés par des liaisons covalentes. Par exemple, le dihydrogène de formule H2, le dioxygène de formule O2 et le dichlore de formule Cl2 sont des corps purs simples moléculaires. Un corps pur composé est un corps pur constitué de plusieurs types d'atomes. Un corps pur composé peut se trouver sous forme moléculaire, sous forme d'un cristal ionique, sous forme d'atomes ou d'un complexe. Par exemple, l'eau de formule H2O, le sel de formule NaCl, le dioxyde de carbone de formule CO2 ou l'oxyde de fer 3 de formule Fe2O3 sont des corps purs composés.